En France, pendant on va dire, la deuxième moitié du 19e siècle, les gens qui connaissent le mieux les régions intertropicales sont les botanistes. Et on décide à la fin du 19e, c'est-à-dire les pouvoirs publics décident de se doter d'une structure qui va répondre à différents objectifs. Donc, centralisation de l'information, étude des produits que procurent les plantes tropicales et multiplication et diffusion de ces plantes tropicales. D'où la présence des serres. En 1906, la direction du jardin imagine d'organiser à son tour une exposition coloniale sur le site qui permettra de présenter au grand public et aux autorités le rôle important qu'il est appelé à jouer. L'exposition ouvre ses portes en mai 1907 et puis va attirer près de 2 millions de visiteurs quand même. Contrairement aux autres expositions, la direction a prévu qu'après l'expo, les bâtiments ne seraient pas démolis. Certains abriteront des collections, d'autres seront transformés en laboratoire, mais tous ces bâtiments seront, on va dire, leur conservation sera justifiée dans les années qui vont suivre. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement original pour l'époque. Le 2 août 1914, la France déclare la guerre à l'Allemagne. Et ça va modifier grandement ce qui se passe au jardin colonial. La direction du jardin colonial, qui a vu aussi partir un certain nombre de son personnel, hein, qui était mobilisable, va proposer au ministère des colonies, son ministère de tutelle, contribuer à l'effort de guerre en permettant de faire tourner un hôpital militaire auxiliaire de grande chirurgie. Alors la particularité des blessés qui sont pris en charge à Nogent, c'est que ce sont très rapidement des blessés qui vont être originaires des troupes coloniales. En ce sens qu'après la guerre, il va se poser une question extrêmement importante et qui va donner, on va dire, un caractère très particulier aussi. Les soldats et les travailleurs qui venaient de Vietnam, qui venaient d'Indochine, ont... une religion qui prévoit qu'en cas de décès en terre lointaine, il faut qu'il y ait un lieu de mémoire, il faut que l'on édifie un lieu du souvenir, un temple du souvenir pour ces jeunes hommes qui sont décédés loin de chez eux et dont les corps ne seront pas rapatriés. Et donc le souvenir indochinois qui s'est créé en 1917 a proposé que l'un des pavillons du jardin colonial ait cette destination. C'est un lieu de mémoire. Chaque année, vous avez une cérémonie de l'ensemble des troupes de marine françaises. Donc ce lieu de mémoire, de toutes les façons, on ne pourra pas dire on ne s'en préoccupe plus. C'est impossible.